Un nid d'une centaine de kilos perché sur un poteau électrique. Des cigognes s'étaient installées ici, mais il est temps de déménager, trop dangereux pour elles et trop de risques pour le réseau électrique. C'est une opération qu'on mène annuellement avec la LPO dès qu'ils nous ramènent un point qui pourrait être accidentogène. On intervient le plus rapidement possible pour déposer et pour protéger les réseaux. Enedis envoie pour cela une équipe chargée d'enlever le nid, puis d'installer une protection avifaune, ce petit panneau fluorescent. Pour l'opération, une heure de coupure électrique et le tour est joué. Donc il y a deux types de manœuvres possibles. C'est soit on fait ça sous tension, sans couper le courant. Ça, c'est essentiellement sur les réseaux haute tension. On arrive à le faire. Ça dépend bien sûr de la taille du nid. Et là, sur les réseaux basse tension, nos agents vont procéder à la coupure de l'alimentation. Bien sûr, on a prévenu les clients avant. Et comme ça, on va déposer ça en toute sécurité. Mais ces oiseaux ne sont pas chassés pour autant. La commune installe dans le marais des cigognières pour qu'elles puissent refaire leur nid en toute sécurité. On en a installé une pour la première fois sur notre site du Marais, près de la maison du Marais, l'an dernier. Le but, c'est d'éviter qu'elles aillent s'installer sur des lieux qui sont dangereux pour elles et embêtant aussi pour les gens, puisque ça peut provoquer des coupures de courant. Donc, c'est pour préserver tout le monde et les cigognes, parce que c'est un oiseau mythique. Et puis, quand on voit une cigogne, tout le monde lève le nez en général. Hein, nos oiseaux favoris en France, donc les protéger et protéger les consommateurs d'énergie. Quoi. En Vendée, des opérations comme celle-ci, Enedis en effectue une vingtaine chaque année.